Bonjour. Alors, vous êtes l'un des 6 des 7 localités d'Atinédi. Aujourd'hui, vous êtes confronté à un problème. Qu'est-ce que vous connaissez concrètement à la CVA à l'État togolais? Nous souhaitons être rétablis dans nos droits. C'est l'essentiel. Tout est dit, tout ce qui a été conçu, planifié, tous les documents sont à la disposition de la CEB. Nous demandons seulement son exécution. C'est aussi simple que ça. Alors vous réclamez pas mal de choses, qu'on vous réinstalle, qu'on vous fasse des trucs. Allez d'une façon un peu plus détaillée sur ces choses. Nous ne réclamons pas. Lorsque vous déplacez des villages qui sont installés sur leur site, ça fait au-delà de 200 ans, et on les déplace et on les largue comme ça dans la brousse, où il n'y a pas l'accès est difficile, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de... et surtout le logement. Et il y a tellement de choses à dire là-dessus que moi, je suis embrouillé parfois lorsqu'on aborde ce problème-là. Donc, ce que nous demandons, c'est quand même aussi simple que ça. Lorsque on déplace une population, et ça, c'est un bien commun de la CED, d'Angoto, c'est un bien commun de l'État, aussi bien du Togo que du Bénin. Si on nous a sacrifié, il faudrait qu'au moins en retour, que le minimum, quand je parle du minimum, c'est-à-dire le logement, l'indemnisation, et je vais vous dire quelque chose. Vous allez dire que on parle des vivants et moi je parle des morts. Non, c'est important. Tous les parents sont dans l'eau actuellement. Ceux qui sont morts sont dans l'eau. On n'en a même pas manqué. Et ici à Lomé, j'ai vu au Maou, on faisait la rue là. On fait des cérémonies. On a pu dommager les gens et on a réhabilité ces morts-là. Mais chez nous, tout est resté comme ça, dans le métier de Bretagne. Quelqu'un a dit quelque chose. Nous, à Libreville. Ce que nous voulons, le gouvernement togolais, c'est de, puisque le gouvernement togolais est le grand partenaire de la CEB, de faire pression sur la CEB pour que ses engagements, les engagements qu'il a pris, soient honorés. Votre nom. Mon nom. Je m'appelle Otoube